Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, pour ce premier tuto, nous allons voir comment personnaliser l'apparence du tableau des assistantes maternelles, tableau que vous retrouvez lorsque vous allez sur la fonction assistante maternelle dans Fiche. Évidemment, cela sera valable aussi pour les familles, pour les partenaires et pour les autres professionnels. Alors, c'est très simple. Il vous suffit de venir sur paramétrage et vous retrouverez ici toutes les colonnes que vous pouvez faire apparaître. Attention, toutes les informations de la fiche assistante maternelle ne sont pas proposées sous la forme de colonnes, bien évidemment. Cependant, je vous inviterai quand même, après chaque mise à jour, si vous avez un petit peu de temps, à venir voir, car très souvent, nous rajoutons, pour faire suite à certaines de vos demandes, des colonnes que vous nous faites remonter comme étant intéressantes ou qui pourraient être potentiellement intéressantes de faire apparaître. Donc, c'est très simple. J'ai ici inscrite sur monenfant.fr, gestion des dispos sur monenfant.fr, vous voyez, et je ne les veux pas, parce que je ne réponds pas à cette demande de la CAF, voilà, je décoche ici, et je vais pouvoir par exemple dire, non, moi je veux voir si les disponibilités sont renseignées ou pas, et puis je vais voir sa capacité d'agrément et ses agréments disponibles, agréments que j'aurai rentrés dans chacune des fiches des AM concernées. Je fais valider. Et là, je vais avoir mes colonnes. Et par défaut, lorsque je vais revenir sur ce chapitre-là, assistant maternel, eh bien, j'aurai les colonnes que j'ai demandées. Dernier point, attention, si dans le cadre de votre RPE, il y a plusieurs antennes et peut-être plusieurs utilisateurs, tous les utilisateurs auront ces colonnes qui apparaîtront dès lors que vous aurez fait ce paramétrage. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation. À bientôt.